Chers amis téléspectateurs de TVL, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Il y a 80 ans, jour pour jour, dans la deuxième semaine de septembre 1943, la Corse était en pleine insurrection contre l'occupant allemand. Par un de ces revirements, dont l'histoire est friande, les insurgés se battent, non pas coude à coude, l'expression serait un peu exagérée, mais aux côtés des soldats italiens, anciens occupants de l'île, qui se sont retournés face aux troupes germaniques. Parallèlement, en une dizaine de jours, les quelques navires dont la marine française dispose vont en exécuter une noria colossale et parvenir à transporter quelques 10 000 combattants. Le 4 octobre, avec la libération de Bastia, c'est toute la Corse qui est libérée. C'est le premier département français libéré et par la France seule. Et c'est cette histoire, ce succès militaire plutôt méconnu qu'à reculter, nous allons voir pourquoi, par les gaullistes, que va nous raconter notre invité. Henri-Christian Giraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef du Figaro Magazine, essayiste, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages historiques, dont un particulièrement remarqué, De Gaulle et les communistes, datant de 1988, mais constamment réédité. La dernière fois, c'était chez Perrin. En 2020. Tout à fait. Toujours chez Perrin, en 2022, vous avez publié « Algérie, le piège gaulliste, histoire secrète de l'indépendance ». Il faut dire que De Gaulle est une vieille connaissance de la famille, puisque vous êtes, je le souligne, le petit-fils du général Giraud. Et d'ailleurs, dans votre dernier ouvrage, celui qui nous intéresse aujourd'hui, « Opération Vésuve, l'histoire très secrète de la libération de la Corse », vous vous étendez très largement, et nous allons en parler, sur les rapports entre les deux généraux et les manœuvres politiciennes du chef de la France libre. Car l'affaire de la libération de la Corse, ce fut l'occasion d'un véritable face-à-face entre Giraud et De Gaulle. Mais avant d'y venir, remontons à 1942. La Corse est en zone libre, mais le 11 novembre, tout change. Suite au débarquement anglo-américain en Afrique française du Nord, les Allemands envahissent la zone libre et de leur côté, leurs alliés italiens, eux, forts de 80 000 hommes, occupent la Corse. En effet, 80 000 hommes, ce qui fait que pour une population de près de 250 000 Corses, si on enlève les femmes, les enfants et les vieillards, il y a pratiquement un occupant pour un homme, pour un Corse en âge de porter les armes. C'est énorme. Il y a une unité italienne pratiquement dans chaque village corse. Bref, ils inondent la Corse Mussolini inonde la Corse de ses hommes, avec quand même une police politique, l'OVRA, un service d'information militaire, le fameux CIM, très spécialiste, qui peut rivaliser d'ailleurs avec la Gestapo sur bien des points. Hein. Mm-hmm. Et puis cette occupation se fait de plus en plus pesante, il y a de plus en plus d'arrestations. Les Corses sont envoyés soit à l'île d'Elbe, soit pour certains en Autriche d'ailleurs. Ouais. C'est des mouvements de résistance, bien sûr, mais c'est une véritable occupation et qui s'appesantit chaque jour. Voilà, c'est brutal même quelquefois. Hein. Donc la résistance naît spontanément et puis elle va être évidemment aidée par mon grand-père, le général Giraud. Oui, donc il lui, dès la fin 1942, envisage la libération de la Corse et fait préparer des plans. Exactement. Alors ça, dès le 14 novembre, il convoque ses spécialistes des services spéciaux, qui sont le général Ronin et le général Rivet, et il leur enjoint de préparer la libération de la Corse. Et les deux hommes mettent au point la fameuse mission Pearl Harbor. Pearl Harbor, qui est sur la base de quatre personnages assez hauts en couleur. Le commandant de Saule, qui est un magistrat belge de son vrai nom Schrevel, oui, mais spécialiste de la résistance, et il en a fait en France d'ailleurs, et trois Corses, un Toussaint Griffy, qui est un adjudant-chef, un Laurent Preciosi,
qui est un ancien journaliste d'ailleurs, plutôt marqué à gauche, parce qu'il vient du journal républicain d'Algérie, et puis surtout Pierre Griffy, qui est l'opérateur radio, et qui va réussir la première mission. Alors il appelle la première mission de la première mission s'appelle mission Pearl Harbor. Elle atterrit, si j'ose dire, elle débarque dans la nuit du 13 au 14 sur la plage de Taupiti en deux nuits. La première nuit se passe bien, la deuxième nuit se passe un peu plus mal, mais finalement bon, ils vont s'intégrer à la population après des péripéties que je raconte, et dès le 20 décembre Pierre Griffy va envoyer son premier message. Alors précisons ce qu'est la mission Pearl Harbor. C'est une mission de renseignement. Qui se tient à l'écart de tous les mouvements de résistance, pour précisément faire son travail de renseignement le plus rigoureusement possible. Et ce n'est qu'à partir un peu plus tard, ce n'est qu'à partir de la mission de Paul Colonna d'Istria que il y aura une coordination que Colonna d'Istria recevra de Giraud, la mission de coordonner l'action de tous les mouvements de résistance, dont le fameux Front National d'Obédience Communiste d'ailleurs. – À l'époque, ce sont les plus puissants sur le terrain ?– Ce sont les mieux structurés, mais c'est un petit réseau, il fait 300, composé de 300 membres seulement, mais habitués à la clandestinité, ils sont communistes. Et à l'époque, les communistes étaient préparés à la clandestinité, on le sait. Et progressivement, Colonna d'Istria va infiltrer ce Front National, et qui atteindra bientôt, grâce aux militaires, parce qu'il y a beaucoup de retraités militaires en Corse à cette époque-là, qui atteindra bientôt le chiffre de 13 à 14 000 résistants. Alors, dans l'esprit de Giraud, il y a une vision plus large, la libération de la Corse. C'est ce que vous appelez, enfin, c'est ce qu'on appelle l'offensive danubienne. Oui, dans la perspective de Giraud, la libération de la Corse s'inscrit pour Giraud dans une perspective beaucoup plus vaste. D'ailleurs, il l'explique, et je vais vous citer ce qu'il dit à Churchill à Anfa, lors de la conférence d'Anfa. – Il faudrait, pour nos téléspectateurs, préciser, donc Giraud est le commandant en chef des forces françaises à l'époque. Bon. Et jusqu'à la mort de Darlan. À partir de la mort de Darlan, il devient aussi haut commissaire. Il va accumuler les deux fonctions civiles. – Il est vice-président du comité français de libération nationale. Après avec De Gaulle. C'est une histoire à répétition, bien sûr. Mais Churchill, lors de la conférence d'Anfa, tout le monde connaît la conférence d'Anfa, la fameuse photo notamment de la poignée de main Giraud-De Gaulle face à Roosevelt et à Churchill. Churchill demande à Giraud quelle est sa perspective stratégique. Et Giraud répond, je le cite parce que c'est important et pour pas, primo, libérer l'Afrique, c'est en bonne voie. Ensuite, sans perdre une seconde, occuper les trois grandes îles, Sicile, Sardaigne et Corse. Préparer là une base sérieuse, aérienne surtout, pour l'attaque de l'Europe. Dès qu'on sera prêt, débarquer sur la côte italienne entre Livourne et Gênes. Oui. Vous voyez ? S'emparer de la vallée du Pô, nettoyer le reste de la péninsule italienne et préparer le débouché en Europe, sur l'axe Udine-Vienne, par le fameux col de Ljubljana. Mmh. Donc évidemment, cette perspective stratégique ravit Churchill, dont on sait qu'il est lui un partisan du débarquement dans les Balkans, de l'ouverture du second front que réclame Staline incessamment. Churchill, lui, mais c'est alors que Staline le veut le plus à l'ouest possible, bien entendu, et il le dit dès juillet 41, il envoie la mission Golikov dès juillet 41 à Londres et à Washington pour demander l'ouverture du second front en Normandie, dans le nord de la France, c'est très clair. Donc Staline, en juillet 41, doit faire face à la Wehrmacht qui s'approche de Moscou, mais déjà il pense à la suite parce qu'il veut évidemment, il envisage de mettre la main sur une partie de l'Europe orientale et centrale. Alors qu'une offensive danubienne permettrait évidemment d'empêcher Staline de mettre la main sur l'Europe centrale et orientale, et notamment sur la Pologne et sur la Hongrie et sur la Yougoslavie, d'où le
le succès de cette offensive danubienne, le succès de ce principe auprès de Mihailovic, le Serbe, et de Sikorski, le Polonais. – Alors, De Gaulle, lui, est opposé ?– Alors, De Gaulle est opposé parce que Staline y est opposé. Hein. – Voilà, donc là, vous développez ça largement. Je développe ça, De Gaulle est lié par son alliance, l'alliance qu'il a offerte à Staline le 25 juillet 1941 à Ankara, hein, et Staline a posé ses conditions, défendre, réintégrer le parti communiste dissous par Daladier, etc., au sein de la communauté nationale, donc ça passe par la résistance, d'où la création du CNR par Jean Boulin pour réintégrer le Parti communiste. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première condition qu'oppose Staline, et la seconde condition, c'est évidemment la défense du lieu d'ouverture du Second Front le plus à l'ouest possible. Donc De Gaulle va progressivement évincer Giraud, ça sera la véritable. Mais quand Giraud propose son plan, quand Giraud élabore la mission Perlembourg, que dit De Gaulle ? Non, mais De Gaulle ne fait rien parce que De Gaulle est à Londres. D'accord. De Gaulle est à Alger. Et est à Alger. Hein, il peut agir. Hein, voilà. Alors, le 25, donc là, novembre 42, 25 juillet 43, il y a un nouvel événement qui, lui, se déroule à Rome. Mussolini est destitué. Et là, les troupes italiennes sont, moins qu'on puisse dire, complètement hésitantes. Déstabilisées. Disons hésitantes, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur le terrain, on a quoi? On a quelques hommes de Giraud, les résistants. Les résistants corse, mais qui ne bougent pas trop pour le moment. Et qui sont en état d'oppression, donc, et qui font ce qu'ils peuvent, les malheureux. Les réseaux, la mission Pearl Harbor, s'amplifie de mois en mois, sinon de semaine en semaine. Et là, Hitler délègue le général von Senger und Eterlin, c'est son nom, le général allemand. Friedelin, son prénom. Friedelin, son prénom, ça ne s'amende pas, pour commander une unité allemande qui s'appelle la Sturmbrigade Reichsführer SS, qui est composée d'à peu près 7 à 8 000 hommes, avec quand même une centaine de chars tigres, hein, et d'autres chars, d'ailleurs, c'est un mélange, et des annexes qui tiennent les aéroports. Et les ports. Hein, voilà. Donc ça, c'est l'unité allemande. Ça, c'est l'unité allemande. Qui vient d'où ? Qui vient d'Italie. Qui vient d'Italie. Qui vient d'Italie, et qui a pour mission de veiller sur la défaillance. Donc, ils s'installent dans la partie nord-est de la Corse. Nord-est et sud aussi. Ils sont un peu partout. Hein. La Sturmbrigade est un peu partout, mais surtout, aux alentours de Corté aussi, voilà, bien sûr. Et alors, les troupes italiennes, elles, ont cul entre deux chaises. Exactement, et ce n'est pas une situation facile, surtout que le général Magli, commandant les forces italiennes, est un ami de Kesselring. Et Kesselring envoie précisément von Senger und Eterlin pour conforter Magli. Mais Magli, on verra peut-être ça par la suite, mais jouera le jeu avec les Français, jusqu'au bout. – Donc pendant ce temps-là, est-ce que les résistants du Front National, enfin, ou tous les résistants fédérés par Colonna d'Estria, est-ce qu'ils se soulèvent? Est-ce qu'on commence à faire Non, c'est à partir de l'armistice. C'est à partir de l'armistice. Qui est le 8 septembre. Le 8 septembre. Donc là, les choses effectivement deviennent plus claires parce que l'Italie de Badoglio signe un armistice avec les Alliés. Et là, les troupes italiennes sont censées se battre contre les Allemands. Contre les Allemands. Alors, ils reçoivent l'ordre de Roata, qui est le nouveau ministre de la Défense italien. C'est un ordre secret, bien évidemment. Hein. Mais toutes les unités italiennes ne vont pas suivre cet ordre et obéir, évidemment. – Parce que les unités italiennes sont composées de quoi on a Alors, les quoi. Unités italiennes, c'est un mélange de fantassins, de toutes les unités, mais il y a parmi elles les fameuses chemises noires, qui sont, elles, cataloguées fascistes. Mais parmi ces chemises noires, il y a une unité que dirige le colonel Cagnoni, si je me souviens bien de son nom, qui habite Bastia, qui est à Bastia, et qui lui va prendre le parti
de résister. Et ce que vous expliquez, c'est qu'il a un ressentiment, je crois, aussi assez fort. Alors, il a un ressentiment. Il avait un père sénateur qui a été plus ou moins embastillé par Mussolini, et il en veut fortement. Et donc, il va proposer à la résistance de l'aider secrètement, et il va même proposer de mettre son fils en otage, hein, auprès de la résistance. Donc, il y a vraiment des contacts qui s'établissent très fort. D'une manière, entre gentlemen. Entre gentlemen. Et lors du soulèvement de la population, le 8 et le 9 septembre, le délégué de Giraud, le Jean Moulin Corse, c'est ainsi que je le vois, Paul Colonna d'Istria, je dis le Jean Moulin parce qu'il dispose à la fois des liaisons radio, de l'argent, des armes, etc. Donc il joue évidemment le rôle de patron de la résistance au moment où il le faut. Hein, et d'ailleurs reconnu partout, y compris par les communistes. Hein, bien sûr, hein, c'est le chef de la résistance. Il demande, dès qu'il demande à Magli, dans la nuit du 8 au 9, demande à Magli, il pose ultimatum avec nous ou contre nous. Et Magli, le général italien, dit avec vous. Bon. Mais il est évident que. Est-ce que tous ces commandants. Tous ces commandants ne sont pas d'accord. Et donc il n'est pas sûr de ses troupes. Mais quand même, la majorité de ses troupes, et notamment tout ce qui est de l'artillerie, jouera parfaitement le jeu et aidera à la prise de Bastia. Nous allons y revenir. Alors, donc, Giraud, en Algérie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On continue de préparer un éventuel débarquement. On prépare le débarquement en Corse. Avec quels moyens? C'était avec des troupes de montagne essentiellement. C'est le général Henri Martin que Giraud choisit parce que c'est un spécialiste de la montagne. Et si Giraud le choisit précisément, c'est parce qu'il y a ce débouché sur les Balkans. Il faut être un spécialiste de la guerre en montagne. Hein, bien sûr, tout est préparé dans ce sens. Et pour ceux qui connaissent la Corse, c'est quand même un relief un peu difficile. Assez montagneux. Et puis Giraud crée le fameux bataillon de choc. Voilà. Aux ordres du commandant Gambiez. Alors le bataillon de choc est une unité totalement nouvelle dans l'armée française. Hein, c'est une unité de commando, voilà, comme on l'a connue après, mais qui n'existait pas à l'époque, avec entraînement à l'anglaise, coup de main, au poignard et de nuit. Alors justement, c'est révélateur, et là, vrai qu'on en parle un petit peu, c'est révélateur finalement de la personnalité du général Giraud, parce qu'on voit donc le coup de main, l'offensive. Il renonce à une offensive d'envergure qui n'est pas possible au vu des moyens. C'est plus possible. Et donc, c'est plus possible. Lui, il va donc privilégier le coup de main. Est-ce que c'est dans le caractère du général Giraud? D'après ce que dit son entourage, c'est dans son caractère. Il est à la fois stratège et il est un spécialiste, comme disait Gambiez d'ailleurs, de la stratégie indirecte. C'est un homme qui utilise tout, qui s'adapte aux circonstances. Pour lui, rien n'est arrêté définitivement. C'est le terrain qui commande et c'est la situation, c'est le moment qui commande. Hein, voilà. Donc, il a quand même vu, sur le plan géostratégique, cette percée, cette perspective sur de l'offensive danubienne, et sur le plan concret, pour aider la résistance locale, il a très bien vu que seule une unité de commando pouvait faire l'affaire. Et d'ailleurs, elle fera formidablement l'affaire. Et son bataillon de choc, c'est combien d'hommes? Ils étaient 600 à peu près. 600 répartis en trois compagnies, et puis autant de petits groupes qui se sont mêlés aux résistants et qui vont notamment à Lévis assurer un peu. Donc ces petits groupes, eux, sont en revanche amenés en Corse. Alors, à partir de quelle date à peu près? Ils vont être amenés en Corse à partir du 13 septembre. Gambiez débarque le 13 septembre. Alors que l'insurrection, elle a été le 8, mais enfin l'insurrection est commencée. Elle se fait dans la nuit du 8 au 9 à Bastia, parce que les Allemands vont vouloir mettre la main totale sur le port de Bastia, parce qu'ils veulent réembarquer un certain nombre de leurs troupes qui viennent de Sardaigne, la 90e Panzer qui débarque de Sardaigne, qui traverse toute la Corse, et c'est pour ça que Paul Colonna d'Istria lance un appel le 9 au soir à Giraud en disant la Corse demande l'aide de l'armée. Il était prévu à l'origine un débarquement appuyé par un soulèvement. À partir du moment où les choses sont inversées, il y a soulèvement
Et donc le débarquement vient au secours des insurrections. On se retrouve un peu finalement dans la même situation que la libération de Paris. Exactement, tout à fait. Alors, il y a, j'allais dire, un personnage, il y a un acteur important de ce soulèvement, c'est un sous-marin. C'est le Casabianca qui joue un rôle. Légendaire. Les Allemands l'appelleront le bateau fantôme, d'ailleurs, qui va. Ah oui, parce que dès les débuts de la mission Pearl Harbor. Oui, parce qu'il réussit à s'évader de la souricière de Toulon, au moment malheureusement du sabordage. Donc, de la flotte. Commandé par le commandant Lherminier. Il est commandé par le légendaire commandant Lherminier, qui va le commander jusqu'au bout, et malgré ses maladies, il sera d'ailleurs amputé des deux jambes, tout de suite après la libération de la Corse, le malheureux. Il continuera de vivre, mais enfin, il sera quand même là très très handicapé. Et c'est plus lui qui nous commandera le sous-marin. Mais le sous-marin. Alors, racontez-nous l'épopée du Casabianca. C'est une épopée extraordinaire parce que dès le 13 et 14, il débarque la première mission Pearl Harbor, avec armes, avec armes, munitions, etc., argent, etc., pour la Corse. Et alors, il va répéter l'affaire au moins une bonne demi-douzaine de fois, jusqu'en 1943, où là, il va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'il va embarquer pratiquement une centaine d'hommes. Une centaine d'hommes, près, je crois, 107, oui. 107 commandos. C'est-à-dire qu'il diminue l'équipage d'un tiers. D'un tiers pour pouvoir embarquer. Et il le fait contre, évidemment, tous les avis des sous-mariniers alliés qui sont là, qui trouvent la chose ahurissante. Alors, il débarque comment, avec des youyous Non, il débarque, il arrive, lui, jusqu'à quai. Jusqu'à quai. Ah oui, d'accord, avant l'insurrection. C'est extraordinaire parce qu'il arrive pratiquement sur la plage. Et les marins corses sont ahuris parce qu'ils pensent que c'est un rocher, quoi, hein, un rocher, et puis ils s'aperçoivent que c'est le sous-marin, et vraiment, comme dit Lherminier, nous avons raclé les fonds corses. Hein, et ça, il a fait mieux, plus que raclé, car à l'époque, je le rappelle, il n'y a pas de radar. Hein, il y a un peu de sonar, mais tout se fait, je dirais, manuellement. Oui, à vue. C'est un exploit extraordinaire, et je vous dis, qui provoque l'admiration des alliés, qui sont très sceptiques, évidemment, sur la réussite de cette opération corse, qui est folle, parce que ils sont engagés, eux, les alliés, sont engagés sur l'affaire de Salerne, qui tourne mal d'ailleurs, puisque le général Clark envisage même de rembarquer ses troupes et qu'on garde la marine dans le port de Salerne, pratiquement dans la baie de Salerne, pour rapatrier et tout, parce que les hommes de Kesselring réagissent durement et fortement. Donc les Giraud demandent à Eisenhower, qui lui avait promis des bateaux, mais là qui ne peut distraire aucun bateau. Donc les Français vont faire ça avec les moyens du bord, c'est le cas de le dire, et le bord n'est pas large et pas nombreux. Hein. C'est une demi-douzaine de bateaux qu'on a sauvés. Donc là, c'est le déclenchement, ce qu'on appelle véritablement le déclenchement de l'opération. Le déclenchement de l'opération à partir, elle est militaire, véritablement, à partir du 13 septembre. Alors elle consiste en quoi, concrètement parlant? Concrètement. Il y a combien d'hommes? Quelles sont les forces, les moyens? En 5-6 jours, la marine française, enfin, ce qui nous reste de la marine française, va débarquer environ 7000 hommes. Voilà, 7000 fantassins, dont les fameux goumiers que je mis pratiquement en couverture de mon livre, parce que c'est eux qui vont donner l'assaut au col de Teguim, qui sera fortement renforcé par les Allemands. Col Teguim qui est au sud de Bastia. Qui est au sud et qui surplombe Bastia, et qui descendront sur Bastia le 4 au matin. Alors, la situation est tendue militairement, parce que j'imagine que pour les insurgés, c'est pas facile en attendant les renforts. Non, ça c'est pas facile. Mais heureusement, il y a les chocs qui sont là, hein. Il y a les chocs qui se disséminent rapidement. Et là, on assiste à une nouvelle manœuvre politique de Gaulle. Ça qui est intéressant dans votre livre, parce qu'on a toute l'histoire militaire qui sous-tend l'action, et puis au-delà, on a toutes les manœuvres politiciennes du parti gaulliste, finalement. C'est vrai. Parce que, donc, la nouvelle manœuvre politique de De Gaulle, avec l'instauration
d'un commissariat voilà, à la Défense. Alors, les deux généraux fondent le CFLN, le Comité français de la Libération nationale, le 3 juin 1943, ensemble. Ils sont tous les deux co-présidents. Mm-hmm. Mais De Gaulle, alors lors du soulèvement de la Corse, Giraud prévient De Gaulle et lui dit il faut y aller. Mais De Gaulle dit qu'il n'a pas été prévenu. C'est faux, il a été prévenu évidemment aux aurores. Et il est prévenu depuis longtemps de la mission Pearl Harbor et de la mission, car il a eu, lui aussi, il a eu un envoyé du BCRA, le fameux Scamaroni, qui, le malheureux, a été fait prisonnier. Il a été envoyé donc des services de renseignement gaullistes au cours de l'année 43. Et malheureusement, c'est un agent qui est envoyé en Corse. C'est un agent qui est envoyé en Corse, qui a fondé le réseau R2 Corse, si je me souviens bien, Action R2 Corse. Et malheureusement, il y a eu une trahison dans le réseau et il a été arrêté et il s'est suicidé pour ne pas parler. Voilà. Bon, mais son réseau a été évidemment totalement dispersé et s'est rallié au réseau giraudiste et donc au Front National. Enfin, tout s'est harmonieusement d'ailleurs, après ce drame atroce du suicide de Scamaroni, s'est marié harmonieusement pour la libération. Et c'est peut-être une des seules fois où on a vu civils et militaires œuvrer ensemble à la libération. Mmh. Et il n'y a que des Français. – Que des Français. Ça, on y reviendra. – Mais c'est vrai que le général de Gaulle, là, évidemment… – Donc alors, je voudrais revenir à l'institution du commissariat à la Défense. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Giraud ?– C'est une manœuvre de Gaulle, parce que comme de Gaulle voit très bien que la libération de la Corse, c'est le début, l'étape, la première étape de cette offensive danubienne, et que Staline n'en veut pas, et que De Gaulle a promis qu'il ferait tout pour empêcher cette offensive danubienne, De Gaulle s'élève assez violemment contre cet effort militaire sur la Corse, quoi qu'il dise dans ses mémoires, bien entendu, et il accuse Giraud, il dit ça va être un bain de sang, vous porterez la responsabilité devant l'histoire. Giraud dit j'assume, évidemment, il ne peut pas faire autrement, il dit si nous n'intervenons pas, la 90e Panzer débarque de Sardaigne, alors là, ça va être le massacre absolu. Donc, De Gaulle va jusqu'à, alors évidemment, le ton monte entre les généraux, et De Gaulle se lève et claque la porte. Alors, il le fait, c'est la troisième fois qu'il le fait. Bon, le comédien qu'il est, le remarquable comédien qu'il est, use de toutes les astuces. D'ailleurs, il dit à force de claquer les portes en sortant, je n'en trouverai plus en rentrant. Bon, ça, c'est son humour. Voilà. Donc, il y a cette opposition, et à ce moment-là, le 27 septembre, donc nous sommes en pleine bagarre, juste avant la prise du col de Téguim, le Kremlin fait savoir à De Gaulle qu'il ne verrait pas volontiers, c'est le télégramme que je cite dans mon livre, ne verrait pas volontiers que l'effort des armées anglo-saxonnes se dirige vers les Balkans. Mmh. Et le même jour exactement, ce même 27 septembre, De Gaulle fait répondre à Avalov, le colonel Avalov, qui est colonel du NKVD, qui est en poste à Alger, qui dirige la mission militaire de rapatriement des ressortissants soviétiques, mais qui est en réalité colonel du NKVD, que De Gaulle connaît bien et qui le reçoit d'ailleurs, qui le voit assez souvent. Il lui dit qu'il va coiffer Giraud d'un ministre de la Défense, donc pour le neutraliser, grosso modo, et qu'il envisage de bientôt d'évincer Giraud du CFLN, c'est-à-dire du Comité français de la Libération nationale, dont Giraud est président. Cette éviction politique permettra évidemment l'éviction militaire un peu plus tard, en avril 1944. – Bien, alors, revenons sur le terrain. Les hommes donc de l'opération Vésuve débarquent au fur et à mesure, et le gros point chaud, si je puis dire, c'est Sébastia, parce que c'est le port. C'est le port qui permettra aux Allemands de réembarquer et de s'embarquer vers l'Italie, vers Salerne, parce qu'il y a la campagne d'Italie qui a commencé avec la prise de la botte par le bas de la botte par la 8e armée de Montgomery, et puis de Salerne par la 5e armée de Clark. Voilà. Donc oui, C'est un point stratégique. C'est un point stratégique, Bastia, évidemment. C'est une ville qui va être
qui va être durement touchée. Elle l'a été déjà pendant toute la guerre parce que les Italiens qui occupaient Bastia dans la nuit du 8 au 9 vont empêcher les Allemands de s'emparer véritablement du port et vont y réussir. Donc ils vont faire prisonnier. Il y a une vraie résistance italienne. Et c'est le fameux colonel Cagnoni là qui va œuvrer. Ils vont chasser les Allemands qui vont évidemment essayer de reconquérir Bastia et qui vont réussir à reconquérir Bastia le 13 et qui vont réussir à subir et à résister à tous les assauts. Donc là, violent combat entre les Italiens et les Allemands. Et ensuite, avec les Français et des Italiens contre les Allemands, et c'est là que les Goums vont se faire remarquer. Pour nos téléspectateurs, donc Bastia, il y a le col de Téguim. Bastia est en dessous. Et donc, il suffit de descendre. Mais enfin, il faut d'abord prendre le col. D'accord. Et donc là, les combats vont durer de combien de temps? Les combats vont être durs, ça va durer à peu près 4-5 jours, près d'une semaine, parce que ça commence le 30, sous un orage terrible, etc. Mais les Goumiers vont exceller, puisque sont des guerriers de la montagne, vont exceller et vont réussir à déborder les troupes allemandes, pourtant particulièrement bien retranchées et particulièrement bien appuyées par les chars tigres. Et une aviation allemande est encore très opérationnelle, alors que l'aviation anglo-saxonne, là, est absente. Elle viendra plus tard, dans d'autres circonstances. Oui, malheureusement. Voilà. Un petit mot sur von Senger und Etterlin. Alors lui, c'est un vétéran de la Russie, puisqu'il commandait, si je me souviens bien, la 17e brigade qui avait trinqué fortement en Russie, et qui est un familier de Kesselring et qui est vraiment un bon général sur place, qui voit très bien et très vite que la situation est difficile et qu'on ne peut pas, ils ne pourront pas tenir la Corse. Mais Kesselring, qui va débarquer en Corse, en Corse, si je me souviens bien, le 19 septembre, pour obliger von Senger und Etterlin à reconquérir la Corse. Puis il va s'apercevoir quand même sur le terrain que son subordonné a raison et que la reconquête de la Corse est difficile. Donc il faut organiser le départ et puis l'Italie, la campagne d'Italie bat son plein. Et ils ont besoin de troupes, et de cette 90e Panzer. Donc finalement, ils décident de sacrifier. Ils décident pratiquement de sacrifier la Sturmbrigade. Ah oui, ça c'est sûr, parce qu'elle va y rester, si j'ose dire. Et donc ce général allemand, il est confronté aussi à un autre problème. On lui demande de fusiller. Alors oui, évidemment, devant la défection des Italiens, Hitler, dit-on, enfin c'est von Senger qui le raconte, dit qu'il faut fusiller tous les officiers italien. Bon, von Senger évidemment refuse, et je dois dire que Kesselring le couvre. Voilà. Donc manifestement, il a eu là un acte de courage. Il se fera d'ailleurs féliciter par Hitler pour avoir réussi le réembarquement d'une partie de la 90e Panzer sans perdre trop de matériel et d'hommes. Mais ils vont quand même perdre pas mal, puisque au final, c'est près de 1500 soldats allemands qui vont y laisser leur vie, alors que les Français ne perdront pratiquement que 300-350. Les Italiens aussi, pas mal, vers 600-700. Les Italiens, près d'un millier. Oui. Mais d'ailleurs, pour Senger und Etterlin, lui aussi, on n'est plus dans l'affaire Corse, mais il se distingue au Monte Cassino, je crois. Je me suis renseigné sur le personnage. Il est catholique. Il est catholique. Et c'est lui qui négocie un cessez-le-feu pour l'évacuation des moines bénédictins. Donc, bataille de Bastia. Finalement, donc, les Allemands réembarquent tous. En laissant quand même un certain nombre de prisonniers. Leur général, lui aussi, réussit Le général Langerhausen, qui commandait la 90e Panzer, réussit quand même à sauver, je dirais, les trois quarts de la 90e Panzer. Donc ils rembarquent leur char. Ça se passe mal pour Bastia, évidemment, parce que c'est Bastia qui trinque. La population est obligée en partie de fuir. La majorité de la population est partie de fuir. Et elle
revient le 4 au matin avec la libération de Bastia. Et là, il y a un nouveau drame. Il y a un nouveau drame. Alors que la Corse est libérée, que Bastia est libérée, le bombardement stratégique américain, qui ignore, qui peut l'ignorer d'ailleurs, parce que ça se joue à l'heure près. Mm-hmm. Hein. Je crois que le bombardement a lieu à 10h du matin et la ville est libérée quelques heures avant. Bon, simplement, mm-hmm. Donc évidemment, les ordres ont été donnés de bombarder Bastia. Pour empêcher précisément le truc. Donc ils ignorent que Bastia est libéré. Et ils font la chose à l'américaine. À l'américaine, c'est-à-dire qu'ils bombardent de très haut. Et on connaît les Américains et on a vu ce qu'ils avaient fait en Normandie et ailleurs. Et là, on compte 300 à 400 morts parmi la population civile. Mmh. Donc le gros des morts de la population civile est le dû, gros des morts est dû au bombardement. Après au bombardement américain et après la libération. C'est quand même extraordinaire. Donc avec Bastia, la Corse est libérée. Hein, donc la Corse est libérée. Elle est libérée par les seuls Français. D'ailleurs, l'écrivain Ehrenburg, Ilia Ehrenburg, dira que la Corse, c'est avec la libération de la Corse, c'est la France qui libère la France. Mais c'était, comme a dit Giraud, quand même une libération à la française, hein, c'est-à-dire avec des bouts de chandelle. Hein, à la française, véritablement, sans moyens, mais grâce au courage. Parce qu'on a quoi, il y a 10 bateaux à peu près qui sont rescapés de la flotte française. 10 bateaux rescapés de la flotte française, et à part le Fantasque et le Terrible, qui sont des destroyers de très grande valeur, puisqu'ils sont les plus modernes de l'époque. Alors, j'ai lu, ils font la Noria, enfin, les allers-retours à 38 nœuds. À 38 nœuds. 38 nœuds, c'est-à-dire qu'on est quasiment à 50-60 km/h. C'est-à-dire, bien sûr. Mais tout le monde est sur le pont. Et donc tout le monde est à la merci de la Luftwaffe qui est basée sur la Sardaigne. Donc c'est un pari gigantesque. Évidemment, les alliés s'y opposent. Hein, ils disent, non seulement ils n'offrent pas de bateaux, mais ils disent c'est pire que le ravitaillement de Tobruk, hein, bien sûr. Mmh. Mais Giraud le fait, il ne peut pas ne pas le faire. Il le dit, ça sera le massacre si l'armée n'intervient pas. Et donc après la libération, voici de nouveau De Gaulle qui finalement lui récupère. Ah bien sûr, récupère l'affaire. Oui, parce qu'à partir du 21 septembre, les Alliés s'entendent quand même que l'affaire tourne à l'avantage des Français, annoncent par la voix de Churchill aux communes l'intégration du CFLN, du comité français, dans la commission européenne. Mm-hmm. Donc c'est la première fois que le comité français de la libération nationale va intégrer une des structures. Donc, c'est le retour de la France sur la scène internationale. C'est le retour de la France et c'est dû à Giraud. Et donc évidemment, à ce moment-là, De Gaulle décide de reprendre la main et prépare son voyage en Corse. Et alors, donc, comment et se, il comment arrive se passe, le 5, mais curieusement d'ailleurs, il se trompe dans ses mémoires, il se trompe de date, il dit qu'il arrive le 8, non, il arrive le 5, tout de suite après, et il fait ses grands discours à Ajaccio. Il fait la tournée des grandes villes. Il fait la tournée, alors là c'est une tournée triomphale bien sûr, hein, parce qu'on connaît l'orateur et il sait parler, et voilà, donc il récupère l'affaire. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que progressivement, eh bien, la libération et le libérateur de la Corse sera De Gaulle et pas Giraud. Et Giraud, lui, vient en Corse quand même ? Oui, bien sûr. Il revient, mais il va s'occuper essentiellement des unités, parce qu'il va réarmer la Corse, évidemment, il va réarmer la Corse. Et puis surtout, les alliés vont construire 17 aéroports. Voilà, donc ça devient un véritable porte-avions. Ça devient un porte-avions, et d'ailleurs, les Américains l'appelleront la Corse USS Corsica. C'est un nom. On est à quoi ? On est à 150 km de côtes françaises. 150 km de Provence, mais à 80 km des côtes italiennes. Oui. Hein, et du débarquement entre Livourne et Gênes, si on avait suivi la. Mmh. La stratégie giraudiste. Donc De Gaulle, De Gaulle récupère l'affaire, vous citez l'exemple d'une place, la place Bastia qui s'appelle la place Giraud. Oui, parce que la place est devenue évidemment la place Général Giraud, c'était le libérateur quand même, les Corses le savaient, mais après l'éviction de Giraud du CFLN et surtout son éviction militaire en avril 1944,
François Coulet, l'homme liche de De Gaulle et qui est sur place et qui suit les affaires politiques, va faire en sorte que ça devienne la place du général de Gaulle. C'est toujours la place du général de Gaulle. Ce qui fait que... – Il y a des places ou des rues quand même, Giraud en Corse ?– Non, oui, en Corse, oui, à Porto Vecchio, une très belle place, à Bastia, un cours Giraud, un collège Giraud, mais curieusement à Ajaccio, c'est-à-dire la capitale de la Corse, il n'y a toujours rien au nom de... – Et à Bastia non plus ?– À Bastia, si, il y a toujours eu à Bastia. Mais rien à Ajaccio. Donc le seul à ne pas avoir une rue parmi les généraux français de la dernière guerre, le seul à ne pas avoir de place ou de rue à son nom, à Ajaccio, dans la capitale corse, c'est le libérateur de la Corse. Alors donc son nom a été occulté à tel point que même Mitterrand en 83. Oui, hein, pour le 40e anniversaire, le nom de Giraud n'a même pas été prononcé une fois par le président. Oui, c'est comme ça. On efface. Staline effaçait les images, les photos, les portraits sur les photos, ben nous, on efface les noms. Bon, on va voir ce que ça donne la semaine prochaine, cette semaine, avec les commémorations du 80e anniversaire. Tout à fait. Vous y serez ? Oui, j'y serai à Porto Vecchio en tout cas, j'y serai le 8, le 9 et le 10, et puis peut-être à Bastia un peu plus tard, parce que Bastia est évidemment libéré seulement le 4 octobre. Alors, j'invite nos téléspectateurs donc à se référer pour voir tous les détails de cette opération absolument incroyable. Donc, vous sous-titrez l'histoire très secrète de la libération de la Corse, parce que, on vient de le voir, ça a été largement occulté par la suite. Donc, de Henri-Christian Giraud, opération Vésuve, aux éditions du CERF. Henri-Christian Giraud, merci infiniment. Merci. Et une prochaine fois, d'autres histoires sur De Gaulle l'Algérie, on pourrait en parler, pourquoi pas. En parler bientôt. Pourquoi pas. Merci infiniment. Vous allez maintenant retrouver la petite histoire de Christopher Lannes. Mais en attendant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. Qu'est-ce que la Gaule ? Eh bien la Gaule, c'est tout d'abord un territoire qui s'étend au nord de la Manche, jusqu'au sud les Pyrénées, à l'est les Alpes et le Rhin, et à l'ouest bien entendu la façade atlantique. Mais sur ce territoire vivait un peuple, ou plutôt des peuples. Ces peuples étaient tous bien distincts et n'avaient pas du tout le sentiment d'appartenir à un même peuple, encore moins à une nation. Malgré tout, ces peuples avaient tout de même des choses en commun, les deux principales étant la langue indo-européenne et la religion. La langue indo-européenne, je veux bien sûr parler du celte, évidemment. En outre, les chefs de ces peuples se réunissaient parfois en concile, le Concilium Galliarum, pour délibérer sur tel ou tel problème. A partir de là, il est difficile de dire que la Gaule n'existait pas. Il y avait des peuples différents, certes, mais la Gaule, elle, était bien reconnaissable, bien distincte. Une idée reçue qui circule largement sur les Gaulois, c'est que c'était des sauvages, des sortes de barbus poilus qui couraient tout nus à une lance à la main et qu'ils vivaient en tribu. Eh bien, pas du tout, les Gaulois étaient très civilisés, ils vivaient en cité sur le modèle grec et avaient même des lois qui étaient issues du monde méditerranéen, romain et grec. Il y avait une assemblée du peuple, un sénat et même des magistrats. On voit bien ici l'influence romano-grecque. Et si je parle d'influence, c'est bien sûr parce qu'ils n'étaient pas isolés du reste du monde. Ils avaient des contacts commerciaux très étroits avec Rome, notamment ils importaient du vin de Rome, mais aussi les cités grecques de la côte méditerranéenne. Comme Marseille par exemple. Oui, Marseille n'était pas une ville gauloise, de même qu'aujourd'hui, quand on y va, c'est à se demander si elle est aujourd'hui une ville française. Ah, ça c'est un autre sujet, on va pas rentrer dans les détails. Laisse tomber. Enfin, les Gaulois ont connu depuis longtemps la Macédoine, à qui ils fournissaient des mercenaires. Par ailleurs, ils savaient construire des villes, des belles villes, et bien protégées en plus. Le fameux Murus Gallicus a fait l'admiration de César. Vous pouvez d'ailleurs en trouver une reproduction aujourd'hui à Bibracte, dans le Morvan. Alors les Gaulois n'ont pas laissé de littérature pour la simple et bonne raison qu'ils n'écrivaient pas et que tout se transmettait à l'oral par l'intermédiaire des prêtres, les fameux druides. Concernant la population, elle était divisée en deux parties, en deux classes sociales dirait-on aujourd'hui. Les nobles qui possédaient les terres avaient le monopole du commerce et pouvaient battre monnaie. Par ailleurs, les prêtres étaient recrutés parmi le milieu des nobles et les hommes libres, ce qu'on appelait les hommes libres en tout cas, puisque leur statut était proche de l'esclavage. Et d'ailleurs,
ça a fait de la peine à César. C'est pour dire, pour faire de la peine à César, franchement, il fallait vraiment être dans la merde. Cette société était très violente, la violence était très présente dans les guerres entre peuples. On a retrouvé encore récemment un immense charnier avec des corps sans tête, c'est pour vous dire. Par ailleurs, il en émanait un certain raffinement, comme peuvent en témoigner tous les objets d'art qui ont été retrouvés et qui suscitaient l'intérêt des Romains. Concernant le rôle des femmes, eh bien dans les sociétés celtes, les femmes étaient bien plus libres que leurs cousines du monde méditerranéen. Elles pouvaient devenir reines et même chefs de guerre, comme par exemple sur l'île de Bretagne. Parlons maintenant de la conquête de la Gaule. De quoi est-elle partie? Eh bien tout simplement de l'ambition d'un homme, Jules César, à qui il fallait une grande guerre, une grande conquête pour pouvoir s'enrichir et gagner en notoriété afin de devenir un grand général, puis de rejoindre Rome pour éventuellement y prendre le pouvoir. Alors déjà dans les années qui ont précédé la conquête de la Gaule, en moins 52 avant Jésus-Christ, ce qu'il faut savoir c'est que César avait déjà essayé de déclencher la guerre sans succès. Par exemple en 58, il a provoqué un conflit avec les Helvètes qui voulaient quitter leur montagne pour se rendre en Saintonge. Ensuite il a attaqué Ariovist, le roi des Suèves, qui ne demandait rien à personne et qui n'a pas compris ce qui lui arrivait. Mais tout ça, bien que ça ait été des deux victoires pour César, n'a pas suffi à provoquer le grand conflit qu'il espérait. Il va alors passer à la vitesse supérieure en 57 avant Jésus-Christ, hein, en attaquant les Belges. Vous voyez, quand on veut se refaire une petite santé, il faut toujours attaquer les Belges. Ah mais ça va, c'est pour rire. Ensuite, en 56, il va attaquer les peuples de l'Ouest, qui étaient jugés moins menaçants, hein, moins costauds, mais il n'aura à réprimer que quelques révoltes durant 3 ans. Une fois de plus, son plan a échoué. En 52 avant Jésus-Christ, César va enfin obtenir ce qu'il souhaitait, une révolte générale. La révolte n'est pas totalement générale, mais c'est quand même une grosse révolte qui a été menée par un homme, un grand guerrier que vous connaissez, Vercingétorix. Vercingétorix va tout d'abord pratiquer la stratégie de la terre brûlée et va parvenir à chasser totalement César de la Gaule septentrionale. Il va l'obliger à se replier par le sud, mais malheureusement il va ensuite changer de stratégie pour opter pour la stratégie du marteau et de l'enclume. Le but est simple, se réfugier dans une grosse cité comme Alésia, une cité bien fortifiée, y attirer les Romains pour qu'ils y mettent le siège, puis faire venir des renforts de l'extérieur pour attaquer les Romains de dos. Alésia, la cité assiégée, c'est le marteau, les renforts, c'est l'enclume. Cette stratégie, alors que César avait perdu la guerre, il était en train de battre en retraite vers le sud, va mener Vercingétorix à sa perte. Certes, les renforts sont bien arrivés, mais ils ont été littéralement taillés en pièces ou mis en PLS, au choix. On connaît la suite, Vercingétorix va être fait prisonnier, etc., etc. Puis César va rentrer en Italie, et là on va pas rentrer dans le détail, hein, le passage du Rubicon, la prise du pouvoir, tout ça, parce que ce n'est pas notre sujet, et ça mériterait une vidéo entière. Alors vous attendrez. Après avoir encaissé cette défaite, la Gaule a dû payer un énorme tribut à Rome. Un tribut pécunier bien sûr, mais aussi en termes d'hommes. Les Gaulois ont perdu des dizaines, des centaines de milliers d'hommes au combat, mais aussi réduit en esclavage. Enfin bref, ça a été une catastrophe, et ensuite, pendant 20 ans, le pouvoir romain va très peu s'occuper de la Gaule, à l'exception de quelques gouverneurs. Mais pendant ce temps, la Gaule a été réorganisée, tout d'abord territorialement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais aussi au niveau de la division entre les hommes libres. Désormais, la population des hommes libres est divisée en deux parties. Premièrement, les pérégrins, c'est-à-dire les hommes qui souhaitent conserver leur identité nationale, entre guillemets, c'est-à-dire la langue celte, et leur panthéon celtique. En gros, ceux qui veulent rester des Gaulois. Et la deuxième catégorie, c'est les gens qui vont demander à avoir la nationalité romaine. Alors c'était quelque chose qui offrait plusieurs avantages juridiques, militaires et financiers, mais aussi un certain prestige social. C'est pour ça que tous les nobles gaulois, quasiment, se sont très vite romanisés. Mais pour obtenir le statut de citoyen romain, il fallait le mériter, il fallait faire une demande, puis prouver qu'on parlait latin et qu'on était fidèle à Rome. Par ailleurs, il fallait se comporter, se conduire, s'habiller comme un Romain, à Rome, fait comme les Romains. D'ailleurs, on devrait s'inspirer de cette méthode d'acquisition de la nationalité aujourd'hui, parce que pas sûr que les gens à qui on la distribue comme ça, à la volée aujourd'hui, se comportent comme des Romains et encore moins comme des Français. C'est un autre sujet. Quoi, non, j'ai pas peur de les nommer ces gens. Les Suédois.
Tout le monde sait de qui je parle. Pour revenir à notre sujet, par la suite, les années ont passé et la fusion entre Gaulois et Romains s'est faite progressivement, ce qui a donné les Gallo-Romains. Pendant 5 siècles, cet état des faits a perduré, et ensuite, 500 ans après, il y a eu les premières invasions des Germains, puis ensuite les Francs, ce qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui, des Français. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire en extérieur. J'espère que ça a été agréable pour vous de regarder. Je sais que les vidéos en extérieur se regardent plus facilement et sont plus agréables à regarder. En plus, il fait beau, donc on en profite. On va pas s'enfermer dans son bureau. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, toujours sur TV Liberté et en audio sur Radio Liberté.